Il faut savoir se regarder avec le cœur, car l'essentiel est invisible aux yeux. Alors sachez que nous sommes tous ici avec un cœur qui est tourné vers Taïwan. Et c'est dans toute la profondeur de notre cœur que nous aimons Taïwan.在全球疫情旅行不便的当下，贵团在格里欧胡主席率领下，这么远的距离，特别到我国来访问，特别表示热忱的欢迎，也表示贵国会、广团重视台湾跨国的关系，尤其格里欧胡主席以及贵团国会议员。 多次各个领域有对台湾许多方面来表示重视，肯定为台湾参与国际活动来发声，进一步促进贵我之间的关系。台湾之间关系深远，非常重要，不只是在贸易的领域。在过去未受疫情限制的时候，台湾的国民。 最喜欢出国旅游，很喜欢到贵国，欣赏美丽的风景。在这一次我们的国际书展中，跨国也是第四度是国际书展的主题国，文化底蕴深厚，也在台湾深受欢迎。因为贵国国会对于台化的重视，许多有我的决议。 所以我们的国会刚刚通过对于跨国进口的香槟调降关税从20% 降为10%， 我们未来不但可以彼此有更好的交流，更多的互访，同时欢迎贵国内阁也可以出请贵国阁员来我国就相关的问题。 我们也欢迎来各种议题交换，同时也期待双方能够有更进一步对于自由和平一起努力。那在科技晶片各方面也都能够互助合作，更有利于贵我两国互利互惠。 Vendredi dernier, j'ai participé, grâce à la visioconférence, j'ai pu participer à une émission télévisée avec une ancienne ministre de la culture taïwanaise, ici à Taïwan. Elle a traduit un livre de Saint-Exupéry, qui est Le Petit Prince, et elle a cité une phrase du livre, « Il faut savoir se regarder avec le cœur, car l'essentiel est invisible aux yeux. » Alors sachez que nous sommes tous ici avec un cœur qui est tourné vers Taïwan, et c'est dans toute la profondeur de notre cœur que nous aimons Taïwan. L'ensemble des entretiens que nous avons eus, nous avons rencontré déjà plusieurs ministres, et ce qui nous a beaucoup marqué de ces différents échanges, c'est le courage dont fait preuve Taïwan et ses gouvernants face à une situation très compliquée. Nous sommes impressionnés par le fait que vous ayez été capable de tenir tête à une grande nation voisine qui ne cesse de vous agresser. Vous avez évoqué une résolution que nous avons faite au Sénat. Il y a 304 sénateurs sur 348 qui se sont engagés pour défendre Taïwan et chercher à obtenir que Taïwan soit reconnu dans les instances internationales. Notre seule voix ne suffit pas à faire changer les choses, mais sachez que nous sommes déterminés à vous soutenir quoi qu'il advienne. Actuellement, nous allons dimanche renouveler l'Assemblée nationale avec une élection des députés. Et récemment, le président Macron a été réélu. Et autour de ces événements politiques qui marquent notre nation, nous avons tenu malgré tout à venir ici à Taïwan. C'est tout un symbole pour vous prouver combien nous sommes attachés à votre pays et combien nous tenons à participer à votre action pour soutenir ce que vous faites. Vous l'avez dit,
entre nos deux pays, il y a des traits communs. Nous sommes deux démocraties qui respectons les grandes valeurs démocratiques. Nos peuples peuvent s'exprimer librement et nous devons nous montrer solidaires entre démocrates. Nous savons combien vous avez de courage, de détermination pour faire en sorte que votre pays continue à exister avec sa force et ses particularités. Bien sûr, nous pouvons parler des questions économiques, mais l'essentiel reste les relations humaines. Ces relations, nous devons les renforcer pour le bien de nos pays, mais aussi pour essayer de faire en sorte que ce monde soit un monde de paix. Dans un monde qui se surarme, il est essentiel de préserver nos démocraties. Nous pouvons aborder des questions de sécurité, nous pouvons aborder des questions environnementales, nous pouvons parler de beaucoup de choses car nous pensons et nous agissons dans la même direction. Vous êtes un acteur essentiel de l'économie française, notamment parce que vous produisez les semi-conducteurs dont nous avons besoin. Nous aussi, nous avons nos savoir-faire. Je suis sénateur d'une région qui produit les avions Airbus. Lorsqu'un avion est construit, il est construit dans plusieurs endroits, y compris en France et en Allemagne, mais le début de l'avion, la première pièce de l'avion, est fabriquée à quelques kilomètres de chez moi. Je ne doute pas de l'intérêt que vous portez également à l'industrie française. Mais sachez qu'au-delà de ces questions économiques, il y a bien avant tout, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le partage de nos valeurs et que la ressemblance qu'il y a dans notre fonctionnement et dans notre volonté de faire progresser la paix dans ce monde marque que nous marchons sous la même étoile et dans la même direction.